Nous qui a gardé nous à travers ensemble de journalistes qu'il a aujourd'hui. Police nationale d'Haïti, c'est une institution publique. Et en tant que telle, c'est obligation pour le commandement de la police là, informer la population, rendre la population compte de ensemble d'activités que l'institution a réalisées. Informer la population qui j'en force police li a marché. Qui problème force police gagne? Qui résultat ensemble opération que l'institution là a fait sous terrain? Qui perspective que l'institution a gagné? Donc son devoir pour nous aujourd'hui, membre au commandement de la police là, pour que nous venions parler à la population. Donc, c'est un devoir pour nous. Comme nous tous connaissons, nous peut-être pour l'ISA le 21 octobre 2021. Long moment qui était très difficile. Situation politique là était très agitée. Grand banditisme. Quartier, presque tout quartier dans la zone métropolitaine, non, il y a présence grande. Deux syndicats dans la force police là, mouvement 509, et dans la base de la police là, tu as gagné une grande frustration. Donc c'était un moment qui est extrêmement difficile. Première mesure que nous devons prendre, pour nous commencer, nous avons monté un nouveau recommandement. Et nous avons fait visite dans différents commissariats, direction départementale, unité spécialisée pour nous parler avec les policiers. Reconnaître frustration. Reconnaître que frustration est fondée. Et demander pour faire un sacrifice pour le pays, pour l'institution de la police. Et les policiers ont attendu nous. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement dispositif de sécurité à travers le pays, et spécialement dans la zone métropolitaine, côté que nous avons un pile problème. Pendant toute année, la situation n'est pas facile. Nous connaissons un pile difficulté. Phénomène kidnapping n'a pas chaque jour avec bandits pour empêcher que nous signions deuil. La population, on a promis chaque jour à kidnapper et gang yo tout y a promis entre yo dans quartier yo pour contrôler le territoire. Troubles à l'ordre public, manifestations politiques répétées et en pile fois on gagne pillage après manifestation ça. Blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux, qui c'est principal site de stockage et de distribution carburant en le pays, du pétrole en le pays. Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les mêmes moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons un ensemble d'opérations. Des 1140 opérations qui sont réalisées. 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération SAO, il y a 12 964 arrestations qui sont faites. Et qui sont réparties comme ça. 301 pour assassinat,
348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs, différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours de l'opération, ça a nous saisi 367. Et parmi eux, gagné 39 fusils d'assaut. Nous saisi 146 234 cartouches. Zam sa que n'a pas gardé là et moment de nous filmer c'est en partie dans zam que nous saisi. Parce que gagné des âmes qui obligé rester dans juridiction yo parce que yo la main autorité judiciaire yo pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, dans la justice et autres. Au cours de l'opération, ça a tout, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruit 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, non, phénomène kidnapping, non. Nous libérons 41 otages. Et nous déjouer 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Port-de-Bouquet, Tabar, et dans la région et dans le département de la Tibonite. Nous avons 149 bandits, malheureusement, qui sont blessés mortellement dans l'échange avec la police. Nous avons 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisis 3 bateaux avec une yacht. Sont en arrière actuellement, mais en deux institutions de la police, là, nous prenons des mesures pour assainir l'administration de la police. Monsieur Sayo, nous révoquons 1432 fonctionnaires, et parmi là-dedans, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs. Pour diverses causes. On a noté que le travail en tête, donc son synergie qui est développée en commandement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institution, nous retournons en finance. 10 825 chèques qui totalisaient 219 795 500 gourdes ont retourné en finance. Nous annulé 1204 débits BNC. Nous annulé. En une institution, octroi contrat. Vous faites selon les normes. Jean, finance publique là, mobile. Nous soumettons 24 contrats. Et les contrats, ça arrive signé après approbation Commission nationale du marché public. Contrat, ben, dans la police, là, selon la loi. De l'action que nous fait qui visait améliorer conditions de travail policier et bien-être policier. Parce que faut que nous encourager policier et faut que nous mettez policier en valeur par rapport
à responsabilité que vous avez dans le pays, surtout dans le dernier moment. Par exemple, décret indemnisation des policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marche pour lui mourir, pour que par un policier, pas à la merci, un bon papa en administration publique là, mais un engagement l'État envers le policier. Nous sommes capables de dire que ça a commencé à appliquer. Parce que je dis, nous sommes capables de dire. Il y a un parent policier qui est décédé, qui recevra chèque ça dans le cadre du décret ça que nous parlons. Et nous profitons de l'espace ça pour nous remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et le reste du gouvernement qui ben nous outils ça, aux outils concrets pour les policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous pas joignions augmentation budgétaire, nous arrivons augmenter prime de risque policier en année en deux reprises. Deuxième augmentation, il commence à partir de octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, je suppose que une prime de risque augmenté en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous arrivons à réhabiliter 25 lieux de police. La façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous arrivons à concrétiser appliquer programme Onapolis pour éviter que les policiers nous aient pour rien dans la rue. Mais avec le programme ça, ils ont mesure pour que jouent des prêts à un taux préférentiel. Un an à nous, pour sacrifice, les policiers ont fait dans la rue. Chaque jour, parce qu'ils vivent dans la rue. Surtout dans le dernier moment, ça. Donc, gagner un prime que spécial que des policiers. C'est un prime d'efficacité que nous avons octroyé à plus de 3000 fonctionnaires policiers. Policiers, tant que personnel administratif. Tout le monde n'a pas joué dans la police, mais il y a 3000 personnes qui jouent. Et nous profiter de l'espace pour nous remercier. Ministre Finançant pour bonne collaboration qu'elle gagne avec l'institution de la police. Par rapport à travail policier, par rapport à confiance population à renforcer dans la police, gagne plusieurs entreprises sur le marché qui octroyent de rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace pour nous remercier. C'est un geste symbolique et c'est un geste que les policiers ont apprécié. Nous voyons qu'ils ont apprécié le travail. Et ça a encouragé. Nous, la police, là, nous prenons question de valeur dedans. Valeur et mérite dans l'institution de la police. Ça fait que nous vivons féliciter 546 policiers et personnels administratifs dans la police. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça a montré appréciation
population a renforcé l'institution de la police. Et nous promettons la population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honore la police là, nous capable de citer deux trois, c'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, c'est NMP, avec l'autre institution encore. Nous arrivons à 2258 policiers et personnel administratif promotion. Et nous faisons selon critères qui préétablissent une institution. Ancienneté et compétence. Pas son monde pas. Et grâce à mesure à ces dispens, nous faisons tout. Sans que nous pas augmenter, sans que nous pas jouer une augmentation budgétaire, nous arrivons à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction départementale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années, qui a bail service en institution qui n'a jamais touché. Donc, grâce à mesure d'assainissement, nous vivons nommés, tout en tenant compte du principe finance publique là, nous budgétaires nous répondre pour que nous fassions nomination ça. Au cours de l'année, nous vivons renforcer le commandement de la police. Là. Il y a des commissaires, des 94 commissaires qui à peine gradués. Je pense que ça allait bon pour l'institution de la police là. Côté que deux monde qui allait dans le concours, sans monde pas, et qui arrivait intégrer l'académie de police là, après une formation jam, le premier commissaire, et qu'on y a, il a renforcé le commandement, ni dans le commissariat, et direction de la mentale et unité spécialisée. M'a dit nous, une autre fois, un message à la population, que la police là, policiers, chaque jour, nous dans la rue. Et la minute que m'a parlé à propos là, policiers très déterminés. Pas oublier que force police que nous gagnons, je dis, il n'est pas créé pour faire face à un genre de problème que nous avons vécu aujourd'hui. Création police en 1995, pas créé comme force de l'ordre, pas créé pour faire face à grand banditisme, guérilla humaine que nous avons vécu aujourd'hui. Donc, nous avons la police qui a transformé. C'est ça qui fait. Unité spécialisée nous renforcer. Formation, continue pour eux-mêmes. Pratique pour eux-mêmes souterrains. Acquisition de nouveaux équipements adaptés à la réalité pays pour permettre de faire face à grand défi que vous avez souterrain.